Bonjour, je suis Lorraine, je suis team leader de l'équipe Inside Sales et je suis arrivée en mai 2022. Un Inside Sales, c'est un commercial mais sédentaire, c'est-à-dire qu'il va faire tous ses rendez-vous à distance par rapport au prospect. Le commercial sédentaire est basé dans nos locaux à Paris et va faire sa prospection par téléphone et ses rendez-vous commerciaux en visio. Il va gérer tout le processus de vente, c'est-à-dire que ça démarre à la prospection, donc vraiment on part du début et on va jusqu'à la fin du process de vente, jusqu'au closing. Il va gérer tout son pipe d'opportunités en autonomie et il va aussi bien traiter de la demande entrante que faire de la chasse, donc de la prospection en partant de zéro. Pour être un bon inside, je vois quatre qualités principales. La première, c'est l'organisation. Ensuite, la réactivité, l'ambition et la proactivité. L'organisation, c'est important parce qu'on gère son pipe d'opportunités et de leads en autonomie. Donc, pour pouvoir les suivre correctement, il faut effectivement avoir du cadre et s'organiser. La réactivité, c'est important puisqu'il y a une notion de timing, forcément. On s'adresse à des personnes, l'idée, c'est d'arriver toujours au bon moment. Ensuite, l'ambition. On a des équipes qui aiment se surpasser, qui aiment relever de nouveaux défis. Et pour pouvoir fitter avec ces équipes, c'est une notion qui est importante. La proactivité, puisque on est toujours à la recherche de personnes qui ont des nouvelles idées à proposer, que ce soit en termes de source de prospection, où est-ce qu'on peut aller chercher de nouveaux prospects, mais aussi des idées en termes d'organisation, de choses qu'on peut mettre en place au sein de l'équipe. Ce qui me plaît chez Treatwell, c'est l'ambiance. C'est vraiment ce qui m'a séduite quand je suis arrivée dans cette entreprise. Je suis ravie de me lever le matin pour retrouver mes collègues. Et un autre point qui m'a énormément séduite, c'est les évolutions en interne possibles, puisque la majorité de nos managers sont issus d'évolutions en interne, et j'en ai moi-même bénéficié, puisque je suis arrivée donc en mai 2022 en tant que commercial sédentaire, donc Inside Sales, et qu'en janvier 2024, j'ai eu l'opportunité de pouvoir devenir team leader de l'équipe Inside, donc aujourd'hui je manage toute cette équipe. La valeur de Treatwell qui me ressemble le plus, je dirais que c'est l'impact. Dans un premier temps, quand je suis arrivée en tant que sales, l'impact c'était un mot qui me parlait parce que mon but c'était d'impacter le quotidien des prospects, de pouvoir les aider à améliorer leur business, d'être là pour eux, à faire un vrai changement. Et aujourd'hui, même en tant que team leader, ce mot impact a toujours une résonance particulière parce que mon but c'est plus d'impacter la vie des prospects, mais c'est d'impacter la vie de mon équipe et des personnes que je manage, d'être là au quotidien pour être un soutien et les aider à monter en compétences. Si toi aussi tu as envie de rejoindre un projet à fort impact, que tu as envie de t'épanouir aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel, n'hésite pas à postuler chez nous et rejoins-nous.